Quelqu'un nous lise Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Someone to read for us Galatians 4, reading from verse 1 to 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous voyons à partir des Saintes Écritures que Dieu veut que chaque enfant grandisse et qu'il devienne mûr. We can then see through the Holy Scriptures that God desires all, every child to grow and become mature. Il faut tout faire. You must do all your effort. Pour devenir grand. To become great. Pour devenir mûr. To become mature. Pour devenir solide. To become ferme. Strong. Dans la foi. In faith. Beaucoup ont cru. Many believed. Très peu ont persévéré. But just a few endured. Très peu. Very few continue dans la course. Are continuing in the race. Si tu demeures un enfant, if you remain a child, toutes tes bénédictions sont gérées par d'autres personnes. All your blessings are managed by other people. Ça veut dire que n'importe quel esprit humain ou démoniaque peut t'empêcher de devenir grand en Christ. It means that any spirit, human spirit, can hinder, prevent you from becoming great in Christ. Peut te faire trébucher. It can make you fall. Peut te faire broncher. Can make you fall. Il y a donc des obstacles qu'il faut franchir. So there are obstacles to overcome. Il y a des adversaires qu'il faut vaincre. There are adversaries that you must overcome. La marche chrétienne est un combat spirituel. Christian walk is a spiritual warfare qui sollicite toutes les facultés du croyant. That requires all the abilities, the faculties of the believer. Le combat est spirituel. The fight is spiritual. Mais il demande toute ta personne. But it requires your whole person. Ton intelligence. Your intelligence. Ta force. Your strength. Ta pensée. Your thought. Ta volonté. Your will. Ta conscience. Your conscience. Le frère Zach enseigne que le croyant doit lutter contre la chair. Brother Zach teaches us that the believer must fight against the flesh. Sa propre chair. His own flesh. Il doit lutter contre Satan et ses démons. He must fight, struggle against Satan and his demons. Il doit lutter contre son passé et ses frustrations. He must ses blessures. Struggles against his past, his frustrations and his wounds. Il doit lutter contre le péché et ses séductions. He must fight against sin and its seductions. Donc la vie chrétienne est une vie de combat spirituel. So Christian life is a life of spiritual warfare. Et le frère Zach a même écrit le livre Le chemin du combat spirituel. And even Brother Zach wrote a book that was entitled The et Way of Christian Fight. Soyez très attentifs. So be careful. Parce que cet enseignement, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Because this teaching is a revelation from the Lord to me. Et il va me conduire à faire le même travail que nous avons fait sur le renforcement des principautés. This is going to lead us to do the same work we did on the overthrowing of principalities. C'est-à-dire que les enseignements que nous avons reçus. It means that the teachings that we have received, Dieu nous les redonne comme des armes pour le combat. God gives them back to us as weapons for the struggle. Le Seigneur a demandé au frère Zach, required Brother Zach, de faire des disciples. To make disciples.
qui allaient tout feront des disciples. Who would make disciples in the turn? Et qui allaient tout feront aussi des disciples. And who in the turn also will make disciples? Et ainsi de suite. So on and so forth. Le Seigneur m'a révélé que pendant que nous étudions les gens comme Paul et Pierre, the Lord revealed to me that while we are studying people like Peter and pour Paul. Pour nous de la communauté missionnaire chrétienne internationale. We for us who are from the CMFI. Et compte tenu de notre contexte and universel. Taking into account our universal context. Dieu tenant compte de l'évolution du monde et de la pensée de l'homme. God taking into account the evolution of the word and the thought of man. Nous a communiqué des stratégies pour nous affermir en tenant compte de l'évolution perverse de la pensée de l'humanité. He has revealed to us some thoughts for us to be strengthened into account the perverse way of mankind. Et en tenant compte de la rétrogradation des églises, des dénominations. And taking into account the backsliding of churches and denominations. Les apôtres, eux, ils étaient des disciples. Apostles were disciples. Il était plus facile de leur montrer comment on doit tenir ferme. It was easier to show them how to stand fast. Dans notre génération, in our generation, être disciple même est une bataille. Becoming a disciple or being a disciple même is even a battle. Salle, même dans cette salle. Even in this room, this hall. Certains disent seulement je suis de la CMCI. Some of us just say I am of CMFI. Ils n'ont pas encore rempli la première condition d'être fort en Christ. D'être disciple. They have not even filled the very first condition to become a disciple, to become strong in Christ. Dans Luc 6, verset 40. In Luke 6, verse 40. Jésus dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Jesus says that the disciple is not more than the master. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Any accomplished disciple is like his master. Donc, le fait d'être déjà bâti comme disciple. So the fact of being made disciple te permet de devenir mûr. Allows you to become mature. Te permet de t'affermir. Allows you to become strong. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si deux personnes donnent la vie à Jésus. If two people give their life to Jesus. Une one est bâti comme disciple. Is made a disciple. L'autre est livré à lui-même à elle-même. The other one is delivered to himself. Vous allez voir les résultats. You will see the result. Si bien que si dans la formation des disciples, so that if in the making of disciples, quelqu'un est médiocre, someone is not so. Pose-toi la question just suivante. Ask yourself the question. Avec tous ses efforts, with all his effort, celui-ci est toujours médiocre. This one is not doing so well. Alors, s'il n'y avait pas eu tous ces efforts là. What if there had not been any effort at all? Que serait-il devenu? What would he ça veut dire have que become? Si un frère est mauvais dans la formation des disciples, it means that if a brother is bad in the making of disciples, n'hésite pas de l'appeler démon. Do not hesitate to call him a demon. Qu'il ne te trompe pas. Let him not deceive you. Il y a une sœur qui était parmi nous. There was a sister in our midst. Avec des grands témoignages. With great testimonies. Mais quand nous retrouvions à deux. But when we find ourselves two. Je lui disais. I told her. Mon problème c'est que tu n'as aucun disciple. My problem is that you have no disciple. Parce que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Si tu n'as pas de fruits. If you do not have any fruit. Tu ne demeures pas en Christ. That remain in Christ. Même si tu fais des bruits, even if you make noise, tout ce qui ne demeure pas en Christ, all that does not remain in Christ, n'ont pas de fruits. Do not have some fruit. Le caractère zéro. The character is not. Le témoignage zéro. The testimony not. La vie des croyants, lecture biblique, prière zéro. The life of the believer, the reading of the Bible, prayer parce not. Que
Dans les desseins de Dieu, in the goals of God, quand quelqu'un demeure en Jésus, when someone remains in Christ, l'Esprit de Jésus entre en lui. The Spirit of Jesus enters him. Donc l'Esprit de Jésus n'est pas stérile. So the Spirit of Jesus is not barren. L'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, n'est pas un esprit de confusion. The Spirit of Jesus, which is the Holy Spirit, is not a spirit of confusion. Un frère qui s'égare dans une fausse doctrine. A brother who is led astray in a false doctrine. Qu'il ne te trompe pas. Let him not deceive you. Il n'a pas l'esprit de Jésus. He doesn't have the Spirit of Jesus. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, the Bible says that if someone doesn't have the Spirit of Christ, il ne lui appartient pas. He does not belong to Christ. Ne changeons rien. Let not change anything. Restons attachés à ces vérités. Let remain bound to this truth. Donc pour le frère Zach, so for brother Zach, tout commence par la vraie repentance. Everything starts by true repentance. Parce que le croyant aura à lutter contre son passé. Because the believer will have to struggle against his past. Et le croyant doit être quelqu'un qui a détruit le pont avec le passé. The believer must be someone who has already broken the bridge with the past. Sinon, il va retourner. If not, he'll go back. Même l'apôtre Paul. Even Apostle Paul enseignait que si taught that if nous avions encore la pensée du passé, on serait retourné déjà. If we still had the thought of the past, we would have gone back already. Un croyant qui rétrograde, a believer that backslides, c'est un croyant qui n'a pas rempli les conditions pour devenir disciple. He is a believer that has not filled the condition to become disciple. La doctrine de la CMCI est claire, est donc claire. The doctrine of the CMFI is very clear. Quant à ce qui concerne l'art de s'affermir dans l'appel. As far as the art of getting strong in the call is concerned. Et dans l'élection. And in the election. La formation des disciples garantit le succès du croyant dans la marche chrétienne. The making of disciples guarantee the success of the believer in the Christian life. Quand tu es bâti comme disciple, when you are made a disciple, comme disciple de Jésus, when you are made a disciple of Jesus, quand tu laisses qu'on te conduise, when you allow yourself to be led, tu verras que même si tu es faible, chaque jour tu deviens fort. You realize that even though you are weak, every day you become strong. Parce que tout ce qu'on te montre, because all that you are taught, you te are permet shown, d'évoluer. Allows you to evolve. Les conseils qu'on te donne, the advice you are given, te permet d'éviter des erreurs. Allows you to avoid errors. La vraie repentance. True repentance. Point de départ. The starting point. La conversion. Conversion. À Dieu. To God. Quand on se convertit, on ne traite plus avec le péché. When you get converted, you don't treat with sin anymore. Et les croyants doivent comprendre ces points de doctrine. Believers must understand this point of teaching. Dans la repentance, in repentance, on traite le péché. You deal with sin. Les œuvres de la chair. The work of the flesh. Les pensées immorales. Immoral thoughts. Les pensées d'orgueil. Thoughts of pride. On traite avec ces choses-là. You deal with these things. Et une sœur m'a posé une question qui m'a ouvert l'esprit. A sister asked me a question that opened my mind. La sœur Elisabeth. Sister Elisabeth. Elle m'a demandé, bon, on parle des œuvres de la chair. Pourquoi on ne parle pas des œuvres de l'esprit? She asked me, we talk about the work of the flesh. Why do we not talk about the work of the spirit? Je lui ai dit que là, au niveau de la chair, on parle des œuvres. I told her that at the level of the flesh, we talk about the work. Au niveau de l'esprit de l'homme, at the level of the spirit of man, pensées immorales, impures. We talk about unclean thoughts. Les mauvaises pensées. Evil thoughts. Les mauvaises pensées sont pour l'esprit, ce que les œuvres de la chair sont pour la chair. Evil thoughts are for the spirit what the work
the works are for the flesh. Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit humain. When they ce n'est pas le fruit de l'esprit de l'homme. When we say that the fruit of the spirit is the fruit of the Holy Spirit, not of the human spirit. Quand on parle du Saint-Esprit, when we talk about the Holy Spirit, on ne parle pas des œuvres du Saint-Esprit, on parle du fruit de l'Esprit. We don't talk about the work of the Holy Spirit. Quand on parle de la chair, but when we talk about the flesh, on parle des œuvres de la chair. We talk about the works of the flesh. Quand on parle de l'esprit de l'homme, when we talk about the spirit of man, on parle des pensées d'orgueil, les mauvaises pensées. We talk about evil thoughts and thoughts of pride. Parce que l'esprit pêche par la pensée. Because people, men, sin by through their thoughts. La chair pêche par des œuvres grossières. Flesh sins by great works. Donc, on se repent de ses péchés. So you repent envers Dieu. From your sins towards God. On se convertit à Dieu. You get converted. You convert yourself to C'est-à-dire God. Quand tu as décidé d'abandonner tous les péchés. So when you have decided to abandon, to forsake all your sins. Il faut maintenant te détourner de tous les dieux qui sont sur la terre. Qui sont sous la terre, en tout cas, tout ce qu'on peut appeler Dieu. Tu te détournes de tous ces dieux-là. You then turn your back to all the whatever can be called God on this earth. Pour t'attacher au Dieu vivant. To get yourself bound to the living God. On parle donc de la conversion à Dieu. Then we talk about conversion to God. Qui suppose que les idoles physique et les idoles du cœur ont été renversées. Which means that the physical idols and the idols of the heart have been overthrown. Après, after la vraie conversion, true conversion, c'est-à-dire quand tu as choisi le vrai Dieu, that is when you have chosen the true God, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who is the Father of our Lord Jesus. Parce que en réalité, le travail de Jésus c'est de ramener tous les hommes à son Père. Because in fact, the work of Jesus is to bring back all men to his Father. Il est dit qu'à la fin, il va se tenir devant son Père et il dira, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » It is said that at the end, he will stand before the Father and say, « Here I am, I and the children you have given me. » Et il va soumettre toutes choses à son Père. And he will submit everything to his Father. Et c'est pour cette raison que l'obéissance est la première condition pour continuer avec Jésus. That's why obedience is the very first condition to continue with Jesus. Jésus veut que tous les hommes soient soumis à Dieu. Jesus wants all men to be submitted et to God. Le Père même a soumis toutes choses à son Fils. The Father himself has submitted everything to his Son. Pour lui permettre d'accomplir son œuvre sans obstacle. To allow him to fulfill his work without any obstacle. Même les anges lui sont soumis. Even the angels are submitted to him. Même le Père, même si Jésus dit à son Père, donne telle chose à celui-ci, il va donner. Even if Jesus tells his Father, give such a thing to such person, he will do it. Donc le Père même s'est soumis à son Fils. So the Father himself submitted himself to his Son. Il est dit afin que au nom de Jésus, it is said that so that in the name of tous genoux fléchissent, all knees be submitted, et que toute langue confesse, and that any flesh confess, que Jésus-Christ est Seigneur, that Jesus is Lord. Si bien que quand tu n'es pas un enfant de Dieu illuminé, so that when you are not a son of God who is enlightened, tu peux croire que Jésus est le seul dans les cieux sur la terre. You can think that Jesus is the Lord, is the only one in heaven and on et earth. Beaucoup sont tombés dans cette erreur-là. And many have fallen in this mistake. Mais nous rendons témoignage que Jésus a passé tout son ministère à rappeler aux gens que son Père est là. But we testify that Jesus spent his time recalling people that his Father is there. Et il disait, je suis sorti de lui. And he said that I came from him. Et il a dit à ses disciples, je m'en vais vers votre Père. Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. And he told the disciple, I'm going to my Father and your Father, to my God and your God.
Après donc cet attachement volontaire au vrai Dieu, after this deliberate attachment to the true God, si tu veux consolider ta marche, if you want to strengthen your walk, renonce à tout. You must deny everything. Renonce à tout. Deny everything. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Le renoncement est un acte de consécration. Denial is an act of consecration. Qui consiste à mettre tout ce que tu possèdes. Which consists in putting all that you possess à la disposition, c'est-à-dire au service de l'Évangile, au service de Jésus-Christ et au service de l'Évangile de Jésus. To the service of Jesus and to the service of the gospel of Jesus. La consécration ne veut pas dire que si tu es à l'école, tu quittes l'école. Consecration, non, non, le renoncement. Denial doesn't mean that if you are going to school, then you quit school. Le renoncement ne veut pas dire que si tu es un homme d'affaires, tu abandonnes. It doesn't mean that if tu dis ça, c'est les choses du monde. A businessman, you forsake this and say that these are the things of the world. Le renoncement veut dire que tu ne poursuis plus tes intérêts personnels. It just means that you no more pursue your personal interests. Et c'est pour cette raison que Jésus a donné une parabole dans laquelle Dieu maudit un homme qui disait, je veux abattre mes greniers, je veux maintenant bâtir les nouveaux et mettre mes produits dedans et dire à mon âme, mange et bois, repose-toi. That's why Jesus gave a parable saying that God curses that man who said that I'm going to destroy all my barns and build new ones and pull all my belongings in it and tell the Lord, say, my soul, just drink and eat. Et Jésus conclut que on doit être riche pour Dieu. And Jesus concludes that we must be rich for God. Le renoncement fait partie des vertus qui testent le cœur de l'homme, qui éprouvent le cœur de l'homme. Denial is part of the virtues that try the heart of man, that test the heart of man. Vous savez, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. You know, the Bible says that the heart of man is wicked. Et que personne ne peut le connaître. And that no one can know it. Ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas connaître ton cœur. It means that you yourself cannot know your heart. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour t'aider? But what does God do to help you? Pour t'aider. To help you. Parce que c'est lui qui a la puissance pour éprouver les cœurs. Because he is the one who has the power to test hearts. La première chose qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. The very first thing that God uses is the word of God. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. The Bible says that the word of God is a double-edged sword. La parole de Dieu sonde les reins. It searches the loins. Quand tu lis la Bible, when you read the Bible, ou quand tu écoutes un message, or when you listen to a message, il entre en toi, it gets into you, expose ton cœur, and expose your heart, et tu te découvres, and you discover yourself. Tu commences à prier. You start praying. Il a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils, unique fils que tu aimes. He told Abraham, go and sacrifice your only son that you love. Il n'a même là, il ne précise plus que je t'ai donné. Il ne dit plus que le fils que je t'ai donné. At this level, he does not say the son I gave you. Il dit celui que tu aimes. That he says the one you love. Ton unique. Your only one. Parce que le problème n'est pas que c'est Dieu qui lui a donné. Le problème maintenant, c'est que qu'est-ce qu'il aime plus maintenant? Ce que Dieu lui a donné ou bien Dieu? Ou bien c'est Dieu lui-même qui est toujours aimé? Because at this level, the problem is not that it is God who gave him, but just to know what does he love between God and what God gave him. Il y a des gens qui commencent à idolâtrer les bénédictions. There are some people who start to take blessings as idols. Quand tu veux les reprendre, ils disent, mais c'est Dieu qui m'a donné. When you want to rebuke them, they say, but it's God who gave me.
C'est ça l'esprit d'Adam. This is the spirit of Adam. Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam, why did you do that? Il ne dit même pas que c'est ma femme. He does not even say that it's my wife. C'est la femme que tu m'as donnée. He said the wife you gave me. Comme si lui donner une femme était un péché. As if giving him a wife was a sin. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? The problem is, what are you doing with what God has given you? J'avais une camarade. I had a friend. Chaque minute, au sens propre, elle regardait le miroir. Le prophète parle. She looked the mirror. Elle prend le miroir. She takes the mirror and look at herself. Un jour, j'étais fatigué. Je lui ai dit, si tu touche encore à ce miroir. Elle dit pardon, pardon, pardon. Parce que nous étions, si j'avais dit ça, tout le lycée allait commencer à l'appeler. Et c'est ça qui l'a arrêté. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Le petit teint que Dieu lui a donné est devenu son Dieu. This little complexion that God has given her. C'est ça que Dieu n'aime pas. That's what God doesn't like. Hébreux chapitre 11. In Hebrew chapter 10 verse 11. Lisons le verset 14 et 15. Read for us verse 14 and 15. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Le renoncement te permet de laisser tout derrière et loin. Denial allows you to leave everything behind and far behind. Ta patrie. Your homeland. Derrière. Il dit. Behind. Si tu ne le fais pas, tu auras le temps de retourner. He said that if you don't do that, you will have the time to go back. Le renoncement enlève tes yeux derrière. Denial remove your eyes from behind. Et les place devant et sur Jésus. And set them in the front and on Jesus. Si bien que derrière tu n'as rien. So that behind you have nothing. Devant tu as Jésus. Ahead, you have Jesus. Une jeune fille vit dans le monde. A young lady lives in the world. Elle donne la vie à Jésus. And gives her life to Jesus. Chaque matin, il appelle l'ancien concubin. Every morning, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Every morning, she calls her boyfriend, saying, "Give your life to Jesus. Give your life to Jesus." Pose-toi la question. Ils étaient combien? Ask yourself the question: how many were? Pourquoi c'est celui-ci seulement qui doit donner la vie à Jésus? Why is it that it is this one alone who should give his life to Jesus? Un jour, one day, tu iras pour le chercher. You'll go back there to seek him. Tu ne vas plus revenir. You'll no more come back. Ou bien tu reviens enceinte. Or you'll be coming back pregnant. Et les frères seront exhortés à te pardonner et à t'accepter. And brethren will be exhorted to forgive you and to accept you. Tu peux éviter tout ça. You can avoid all this. Si tu es ferme. If you are, you stay. Et si tu as travaillé. If you stay fast and if you work. Pour affermir ta vocation. To strengthen your call. Être disciple de Jésus, ce n'est pas une adhésion émotionnelle. Being a disciple of Jesus is not that you adhere with your emotions. C'est une question de nouvelle naissance. It's a question of new birth. Un autre esprit entre en toi. Another spirit gets into you. Et te donne une nouvelle nature. And gives you a new nature. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Fais tout ce que tu peux faire. Do all that you can. Pour que tes modèles. So that your models soit dans l'église. Can be in the church. Personnellement, Dieu m'a béni quand quelqu'un rend témoignage. Personally, God has
Bless me. When somebody testifies, quand Jésus a été exalté dans sa vie, when Jesus has been exalted in his life, pendant que la personne parle, même mon cœur s'attache à la personne. While the person is speaking, my heart gets bound to the person. Je peux dire sincèrement que je n'ai pas un modèle dans le monde. I can sincerely say that I do not have any model in the world. Tu dois admirer les héros en Christ. You must admire the heroes in Christ. Si tu vois un frère zélé, au lieu d'être jaloux, prie pour que ton cœur l'aime. If you see a brother that is zealous, instead of being jealous, pray for your heart to love him. Colossiens 1, verset 26. Colossians 26 à 29. Colossians 1, reading from verse 26 to 29. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dans ce texte, l'apôtre Paul montre qu'il y a une lutte, que personne ne te trompe. In this text, the Apostle Paul is showing that there is a struggle. Let no one deceive you. Il y a des croyants, there are believers, qui pensent que le chrétien n'a rien à faire, who think that the believer, the Christian, has nothing to do, parce que Jésus fait tout, because Jesus does everything. Quand tu produis un effort, ils appellent ça la synergie. Il faut laisser Jésus faire. Et le croyant doit seulement être là. S'il est fort, il est fort. Il est faible, il est faible. When you make an effort, they call it synergy. That is, you must let Jesus do everything. Que Dieu n'a pas besoin de ta contribution. That God doesn't need your contribution. C'est faux. It's not true. Dieu veut la contribution de l'homme. God wants the contribution of man pour son progrès, for his progress, pour sa persévérance, for his perseverance, pour sa maturation, for his maturation. Dieu veut que l'homme contribue. He wants man to contribute. Et c'est ce que Paul est en train de dire. And that's what Paul is saying. Que il combat pour présenter à Dieu les hommes devenu parfait en Christ. That he's struggling to present to God men who have become perfect in Christ. Des gens qu'on ne peut plus tromper, qu'on ne peut pas séduire. Men that cannot be deceived anymore. Des gens qui savent lire le temps. Men who know how to read time. Des gens qui peuvent supporter les épreuves. Men who can endure tests, qui peuvent résister aux moqueurs, who can resist mockers, que même s'il est malade, that even if he is sick, et que 1000 démons viennent lui demander où est ton Dieu, il ne dira même pas Seigneur tu entends, Seigneur tu entends. And that a thousand of demons come and ask him where is your God, he would not say what, Lord. Do you hear? Il va lui dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. God will tell him that evil sometimes befalls the righteous man, but God always delivers him. Tu fermes la bouche aux railleries, aux moqueurs. You silence the mockers. Et tu ne rétrogrades pas. And you don't backslide. Tu ne blâmes pas ton dirigeant. You don't blame your leader. Tu ne fais pas comme si
comme si les gens t'ont privé de quelque chose. You don't do as if man has deprived you from something. Quand tu as faim, tu fais les bruits pour que la personne qui t'a amené à Christ souffre. When you are hungry, you make noise so that the person that took you to Christ suffers. Et on te porte. And they bear you. Pour aller aux réunions. To go to the meetings. On te porte. They bear you. Et là où on te laisse. And where they leave you. Là tu t'affaisses. That's where you go down. Nous voulons présenter tous les croyants devenus mûrs. We would like to present all the believers who have become matured. Ils savent que who know that la conversion a pour finalité la vie éternelle. Who know that the end of conversion is everlasting life. L'apôtre Jean disait que Dieu nous a donné la vie. Apostle John said that God gave us life. Et cette vie est en son Fils. And this life is in his Son. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. He who has the Son of God has life. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. But he who doesn't have the Son doesn't have life. Il disait, je vous écris ces choses. He said that I wrote these things to you. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. For vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. For you to know that you have eternal life, you who believe in the only Son of in the name of the only Son of God. 1 Jean 5, 10 à 12. 1 John 16, 10 to 12. Jésus a enseigné Jesus taught que la joie des croyants that the joy of believers ne doit pas provenir des miracles ou des guérisons ou des bénédictions terrestres. Must not stem from earthly blessings or miracles. Les croyants doivent être heureux, joyeux parce que leurs noms sont écrits où? Dans les cieux. Believers must be joyful because their name is written in the Lamb book of life. Si tu peux trouver 1000 frères qui sont frustrés, pas parce que leurs noms sont menacés, mais parce que ils s'évaluent par rapport aux choses de la terre. You can find 1,000 of brethren who are frustrated, not that their name is threatened, but because they evaluate themselves according to the things of the earth. Ils ne sont pas frustrés parce que leurs noms sont menacés d'être effacés. They are not frustrated because their names are threatened of being erased. Ils ont des petits besoins terrestres que même les païens ont, les mêmes besoins que les païens ont, mais ils murmurent à cause de ces manquements. They have little earthly needs that even unbelievers also have, but they murmur because of this lack. Frère, apprends, il faut apprendre. Brethren, you must learn à te réjouir, to rejoice, parce que tous tes péchés sont pardonnés, because all your sins are forgiven. Il y a une image dans la parole. There is an image in the word. Une femme est entrée. A woman et s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus. Came in and started to cry on the feet of Jesus. Elle essuyait avec les larmes avec ses cheveux. And cleaning the tears with her hair. Elle couvrait les pieds de Jésus avec les baisers. And she was kissing the feet of Jesus. Et un homme appelé Simon murmurait. A man called Simon was murmuring. Que si Jésus savait quelle était quelle espèce de femme celle-ci était, il n'allait pas permettre. S'il était prophète, il allait savoir quelle était cette espèce de femme. Murmuring, saying that if Jesus was a prophet, he would have known what sort of woman was this woman. Jésus lui a dit, Simon. Jesus told her, Simon. Je suis entré ici, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. I came in here, you did not even give me water to wash my feet. Tu m'as pas fait de baiser. You didn't kiss my feet. Mais elle. But she, elle a mouillé mes pieds. She has wet elle my a feet. Su avec ses cheveux. And she has cleaned them, elle wiped them with her couvert mes pieds hair. De baiser. She has covered my feet of kissing. Et Jésus dit maintenant, pourquoi cette femme se comporte de cette manière? And Jesus now says, why this woman behave this way? Il dit à Simon, là où les péchés ont été pardonnés, où beaucoup de péchés ont été pardonnés. Where many sins have been forgiven. Là, il y a beaucoup d'amour. There is much love. Nous devrions
être en train de danser. Tout, quand les gens rendent témoignage, là, tu vois, ils étaient prostitués, ils étaient des ivrognes, des sorciers. La louange devait être abondante. Praise should be abundant when people testify saying that they were prostitutes, alcoholic, and they have been delivered. Comme la réponse à la grâce, à la compassion, à la miséricorde de Dieu. As a response to the compassion and the mercy of God. Mais on assiste au contraire, beaucoup de murmures, de froideur. But on the contrary, we see that people are cold and murmuring. Nous attendons les jours où les prostituées vont se réjouir dans ce temple, casser même les carreaux et Isidore aura du travail. We are expecting this day when prostitutes will be dancing here, breaking the tiles here, and then Brother Isidore will have work to do. C'est-à-dire quand tu regardes ton passé. That is when you look at your past life. Tu deviens chanteur, tu deviens poète. You become a poet, you become a singer. Tu deviens danseur. You become a dancer. Tu deviens prédicateur. You become a preacher. Pour la communauté missionnaire chrétienne internationale. That is for Christian Missionary Fellowship International. Un homme, a man, une femme, a woman, toute personne qui veut être stable. Anyone who would like to become stable. Et croître. And grow. Doit faire les choses suivantes. Il y a six choses. Must make the following things. There are six of them. Six choses. Six of them. La première chose. The first thing. Il faut apprendre à chercher Dieu. You must learn how to seek God. Il faut apprendre à chercher Dieu. You must learn how to seek God. Quand tu pries, tu dis à Dieu, je veux te connaître. When you pray, tell God, I want to know you. Quand tu lis la Bible, when you read the Bible, tu cherches qu'est-ce que la parole te dit de Dieu. You seek what the word of God is saying about God. Donc, chaque jour, that is every day, tu poursuis six choses. You pursue six things quotidiennement. Daily. Tu dois chercher Dieu. You must seek God. Tu dois trouver Dieu. You must find God. Tu dois connaître Dieu. You must know God. Tu dois aimer Dieu. You must love God. Tu dois faire de Dieu ta joie suprême, ta félicité. You must make of God your supreme joy. Et tu dois partager ton expérience avec les autres. And you must share your experience with others. Cette manière d'envisager la marche te rend déjà ferme et fort. This way of planning the work will make you strong and firm. Trouver Dieu. Find God. Aimer Dieu. Love God. Si les disciples suivent les points de doctrine. We have a work in which if the disciple follow the point of teaching doctrines, la nation sera bénie. The nation will just be blessed. Et tu partages cette expérience avec les autres. And you share this experience with others. Donc, tu sers Dieu. So you serve God. À partir du débordement. From the overflowing. Le combat contre la chair. The fight, the struggle against the flesh. Lis nous Romains chapitre 8 verset 5 à 13. Read for us Romans chapter 8 reading from verse 5 to 13. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous,
Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. La chair, the flesh. Si quelqu'un donne la vie à Jésus, if someone gives his life to Jesus, et qu'il ne crucifie pas ses désirs, and does not crucify his desires, ses goûts, his taste, ses appétits, his appetites, il n'ira pas loin. He will not go far. Il est dit que la chair n'obéit pas à la loi de Dieu. It is written that the flesh does not obey the law of God. La chair ne se convertit pas. The flesh does not get converted. Donc on la crucifie. So we crucified it. Et la Bible dit que si nous nous affectionnons aux choses à la chair, nous allons mourir. The Bible says that if we are fleshly minded, will die. Que l'affection de la chair conduit à la mort. That being carnal minded leads to death. Si tu veux posséder tout ce que tu vois de beau, if you want to possess every beautiful things that you see, tu convoites sexuellement, tu convoites les hommes, tu convoites les femmes. You covet sexually, covet women. Tu vas mourir. You will die. Donc, tu n'auras même pas le temps d'affermir ta vocation. You will not even have time to strengthen your call. Il y a des jeunes frères, ils peuvent se permettre d'aimer 3, 4, 2, 4, 5. There are young brethren who can allow themselves to love 2 or 3 sisters. Dès qu'une sœur chante, elle met son nom. L'autre vient danser, elle met son nom. As soon as a sister sings, he writes a name. When another one comes to dance, he writes the name. Si tu le salues avec tendresse, il met ton nom. If you greet him tenderly, he writes your name. Il cause avec toi. He chats with you. Je veux que tu pries pour moi. I want you to pray for me. Je veux me marier. I want to get married. Même si on prêche comme je prêche là, à la sortie là, il va attraper une sœur et dire, prie pour moi parce que je me faut une femme. Even if we preach as I am preaching, when he gets out, he will touch, find a sister saying that pray for me because I want a wife. Plein de convoitises. Full of covetousness. Je vais vous lire pour finir une prophétie que le Seigneur avait donnée au frère Zach. I will read to you a prophecy that the Lord gave to brother Zach. Un message reçu le 17 novembre 2001. A message received on November the 17th for 2001. Mon fils, my son, l'enfer a décidé d'attaquer ton ministère en libérant des centaines de milliers de démons d'immoralité sexuelle sur tes gens. Hell has decided to attack your ministry by releasing hundreds of millions of demons of sexual immorality upon your men. Tes personnes clés, your key men, hommes, femmes, enfants, men, women, children, et tous les gens, and all the men, les personnes clés, tes personnes clés, hommes, femmes, enfants, et tous les assiégés. Your key men, women, and children to assiege them. Certains de ces démons sont en train de se présenter comme des anges de lumière. Some of these demons are presenting themselves as angels of light. Des leaders nationaux.
national leaders, missionnaires internationaux, international missionaries, missionnaires nationaux, national missionaries, hommes et femmes âgés, men and women who are old, jeunes gens, young men, jeunes filles, young ladies, enfants et tous sont cibles de l'ennemi. Children and all are the target of the enemy. Les missionnaires hommes et femmes, the missionaries men and women, et leurs enfants and their children sont une cible spéciale. Are a special target. Lève-toi contre cette œuvre de l'ennemi. Lève-toi contre cette œuvre de notre ennemi. Rise up against this work of our enemy. Avertis tous. Warn all. Leur disant à chacun. Telling each of them. De revêtir l'arme de la pureté sexuelle. To put on themselves the arm of sexual cleanness. Dans les désirs. In the desires. Les motifs. In the motives. Les regards. In the looks. L'apparence. In the appearance. Le toucher. In the touching. Les sentiments. In their feelings. Les goûts. The taste. Les valeurs. The values. Les attitudes. In the attitudes. Les paroles. In the words. Les actes. In the actions. Les possessions. In the possessions. Nos gens doivent se livrer exclusivement à penser, exclusivement à ce qui est vrai. Our men must exclusively give themselves to think about what is true, noble, pur, clean, aimable, lovable, admirable, admirable, excellent. Digne de louange. Worthy of praise. Ils doivent aussi se rassurer qu'ils sont continuellement remplis du Saint-Esprit. They must also make sure that they are continuously filled with the Holy Spirit. Ephésiens 5 verset 18. Ephesians 5 verse 18. Pendant qu'ils consacrent chaque désir, motif, regard, apparence, toucher, sentiment, goût, valeur, attitude, parole, acte et possession au gaiement du plus grand nombre de perdus dans le plus bref délai. While they are consecrating each of the desire, motive, look, appearance, touch, feeling, taste, value, attitudes, words, act, and possession to the winning of the greatest number of the lost souls. Entre maintenant et le 31 décembre 2001, au Seigneur Jésus et à sa croix. From now to December the 31st, 2001, to the Lord Jesus and to his cross. La puissance de l'ennemi sera brisée. The power of the enemy will be broken. Ceux qui sont oisifs deviendront une proie pour le malin. So those who are idols will be a prey for the wicked one. Ceux-là seront emportés par le gaiement des perdus. Those ones will be taken by the winning of the souls. Et tiendront ferme. And will stand fast. Les démons de l'enfer sont impuissants contre de telles personnes. Demons of hell are not powerful against such people. Pray. Jeûne. Fast. Réprimande l'ennemi. Rebuke the enemy. Renverse ses armées. Overthrow his armies. Fin de la prophétie. This is the end of the prophecy. Nous allons poursuivre cette étude sur comment les frères de la CMCI ont été enseignés, comment ils doivent s'affermir. We will continue this study on how the brethren of CMFI must be strengthened. Comment nous avons été enseignés sur l'art d'affermir notre appel, notre vocation. How we have been taught on the art of strengthening our call. Parce que le frère Jacques nous enseigne que les positions spirituelles ne sont pas automatiquement maintenues. Because Brother Zas taught us that spiritual positions are not automatically maintained. Chacun doit travailler.
Each one must work pour devenir fort. To become strong. L'apôtre Paul disait qu'afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Apostle Paul was saying that in order to stand fast after overcoming everything. Veillons sur nous-mêmes. Let's watch over ourselves. Quelqu'un peut faire les bruits là après il tombe. Someone can make noise and after he falls down. On va s'étonner qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? We'll be astonished, asking what happened? What happened? Il n'a pas grandi. He did not grow. Un bébé dans un berceau, quelqu'un qui a 60 ans dans un petit berceau. A baby avec une barbe. A baby with a beard, someone who is 60 years old with a beard in a cradle. C'est un accident de la société, ce n'est même pas pour sa famille. It's an accident for society, not. Mais même le gouvernement commence à chercher des solutions. Even government will start seeking solutions. Parce que c'est un cas social. Because it's a social case. Mais un enfant qui grandit. But a child who is growing. Qui évolue, qui devient co-ouvrier. Who becomes co-worker. La joie est très grande. The joy is so great. Quand il est attaqué, when he is attacked, l'ennemi, c'est l'ennemi qui se retrouve à terre. It is the enemy himself who is knocked over. C'est ça que nous devons devenir. That's what we must become. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Parle au Seigneur. Speak to the Lord. On démarre la vie chrétienne par la vraie repentance. We start Christian life by true repentance. On enchaîne par la vraie conversion. We continue with true conversion. Avant d'aller plus loin, before going any further, on renonce à tout. You deny everything. Parce que si tu as en vue le lieu où tu sors, because if you still have in mind this place where you came from, tu auras le temps d'y retourner. You will have time to go back parce there. Parce que tu connais la route. Because you know the way. Tu renonces à tout. You deny everything. Tu te dis, j'étais dans l'ignorance. You tell yourself that I was in ignorance. Maintenant, il faut que je connaisse Dieu. Now I must know God. Que je le cherche. That I seek him. On m'a trompé. They have deceived me. Dans les religions. I've been deceived in religions. Certains m'ont même baptisé sans repentance. Some even baptized me without any repentance. Je ne permettrai plus qu'une telle chose soit pratiquée contre moi. I will no more allow such things to be done again. Tu commences à chercher Dieu. You start seeking God. Tu cherches Dieu. You seek God. Tu cherches à le connaître. You seek to know him. Tu apprends à l'aimer. You learn to love him. Tu apprends à l'aimer plus que toute chose. You learn to love him more than any other thing. Et tu commences à le servir. And you start serving him. Tu te gardes. You keep yourself. De l'immoralité sexuelle. From you refrain from sexual immorality. Sachant que Dieu a dit à notre leader. Knowing that God told our leader. Que beaucoup de démons, beaucoup ont été libérés. That many demons have been released. Fais tout pour avoir un cœur pur. Make all to have a pure heart. Il ne faut pas qu'il y ait dans ta pensée le désir de connaître un garçon ou une fille. There should not qui n'est pas ta femme ou ton mari. There should not be in your thought the desire to know a lady or a boy who is not a man who is not your husband tu or your wife. Tu gardes ta pensée. You keep your thought. Tu gardes tes regards. You keep your looks. Tu veilles sur ta manière de toucher. You watch over your way of touching. Tu veilles sur tes relations. You watch over your relation. Tu te dis, you tell yourself, il ne faut pas que je sois immoral. I should not be immoral. Tu sondes ton cœur. You search your heart. Il dit, he says, l'ennemi va tomber. The enemy will fall down. Prions ensemble. Let's pray together.